Et là, Jean-Saint Ibari, promoteur économique de l'âme, combattant intrépide des causes justes, rassembleur des composantes socioculturelles, mérite toutes les vertus nécessaires à la consolidation de la cohésion socio-économique pour une réconciliation nationale intégrale réussie. Une nouvelle page de l'histoire de la Guinée moderne s'ouvre et qui puise sa sève nourricière dans les tréfonds du foutoir théocratique et qui donnera un coup de pouce historique à la renaissance de la Guinée, prônée par les hautes autorités de la transition sous la clairvoyance du colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, commandant-chef des forces armées guinéennes. Au nom donc de la coordination du foutage jalon de la Moyenne Guinée et de ses alliés, les autres coordinations de la Basse Guinée, de la Haute Guinée, de la Guinée forestière, nous prions d'accepter les salutations de toutes ces notabilités âmes de la Guinée et saisir ainsi cette opportunité pour présenter la physionomie de la cérémonie qui se tient dans le plus grand complexe sportif et culturel de la Guinée, le stade général Lansana Conté Nangor de Conakry. Ainsi, pour le lancement de la cérémonie d'intronisation de El Hadj Alassane Ibari, la physionomie de l'assistance se présente comme suit. Institution républicaine, le gouvernement guinéen, Conseil national de la transition, Cour suprême, Cour constitutionnelle, Cour des comptes, ambassade et consulat, États-Unis, France, Allemagne, Angleterre, Union européenne, les invités extérieurs, les antennes extérieures de la coordination établies dans les pays ci-après, États-Unis, Canada, Europe, Chine, Afrique, Asie. Capitale pour la Cour internationale est représentée à cette cérémonie par M. Abdul Razak Ba, 4e vice-président de Capitale Freetown, Capitale pour la Cour internationale de Freetown, Sierra Leone. Le deuxième, Sa Majesté Lamido Issa Bi Amadou, secrétaire général, ancien ministre, il est au TPI, Capitale pour la Cour internationale de Bangui, il est de Centrafrique. Tous ces deux ont été mandatés par qui? Par le grand Haut-Réunion international, Capitale pour la Cour internationale, Mohamed Sanoussi II. Troisièmement, M. Abdoulaye Barry, secrétaire général adjoint, Capitale pour la Cour internationale. Quatrièmement, M. Awal Gonga, conseiller spécial sur l'Altesse, le Khalifa Mohamed Sanoussi II, il est du Nigeria. Quand on parle de Capitale pour la Cour internationale, il y a de signaler la présence remarquable d'une haute personnalité de Capitale pour la Cour internationale. En l'occurrence, celui que vous connaissez tous, El Hadj Alpha Amadou Kourou Diallo. Après une vingtaine d'années au service de Capitale pour la Cour internationale, opérateur économique aguerri, président de la Société de financement et de commerce, Oscar des Oscars que vous connaissez, vous rappelez, en son temps, il mérite un hommage appuyé pour continuer à apporter sa contribution substantielle au renforcement du tissu social guinéen.